deux mains en supination sous chaque hanche. Okay. Ça, c'est sur l'attaque. Il attaque, il pousse, hop, moi je recule. Si je recule pas, je suis comme ça, pour moi c'est fini. Okay. Donc, les deux mains en supination, et tout en reculant, Thaï Savaki, je tourne le dos au partenaire. Et l'idée, c'est de, tout en tournant, on fléchit sur les genoux, on sort les hanches. Et on bascule le partenaire. Alors, comment ça se passe, la bascule? Pour faire assez simple, en fait, le partenaire vous attaque, il vous touche, et il vient basculer sur vos manches. Plus vos manches seront là, alors il y a encore les plus grands difficiles sur ce type de mouvement, et plus vos hanches seront basses, plus il va basculer. C'est un peu comme si vous arriviez précisément sur une barrière. Si la barrière est ici, vous passez par-dessus. Si la barrière est ici, ben vous n'allez pas passer par-dessus. Okay. J'en reviens au point de départ. Donc, attaque à deux mains de face. Hop, je recule, les deux mains en supination. Tout en reculant, dès le deuxième pas, hop, ça y sort. Et je descends. Et là, je suis prêt à poser. Les deux mains poussent sur l'avant. Les hanches sont en barrage. Bien descendu, je vais le basculer. Je contrôle. J'ai pas lâché la manche. Maintenant, je vais coiffer. Ici, et je tire. Et je simule un atelier. La tête tournée vers moi, je simule un atelier. Alors, allez. On reprend tout depuis le début. Donc, attaque à deux mains assez avec du peps. Là, je recule. Tout en reculant, je place les deux mains en supination. Vous allez travailler un peu comme ça. Et après, une fois que ça c'est au point, faites deux, trois fois. Hop, là, vous êtes au point. Hop, vous allez, tout en reculant, faire le Thaï Savaki. Ici, hop, je suis prêt. Je projette, je coiffe. Je coiffe le poignet et je viens déchirer le cou. Là, je contrôle. Alors, surtout pas dessus. Si vous contrôlez dessus, il faut ressortir le bras. Hop, il crochette la cheville et puis ça repart tout loin. Donc, on va fixer son poignet. On est dessous. Contrôle et frappe.